Je vais dire trop tôt parce que direct tu peux revenir. Je peux même pas vous expliquer en un quart d'heure, c'est tellement c'était monstrueux. C'est une malédiction de patron. Oui, ça arrive. Qui réagissent de façon complètement absurde. C'est une. Attends, je finis. C'est une des raisons d'accident. C'est une. Voilà, une des raisons d'accident. C'est une dizaine de personnes qui foutent le bordel. Donc c'est ça notre problème. Après. On n'est plus au rond-point d'entier. Bah c'est peut-être le contrat qui peut-être. On en a parlé pendant 2h30 et on sait. C'est pour ça qu'on s'est. C'est pour ça qu'on. La solution, c'est qu'on s'est déporté du rond-point d'entier, bien qu'on a, on a décidé pendant. On a parlé pendant 2h30. On a décidé. La police les connaît, c'est-à-dire qu'on a un problème insoluble. C'est-à-dire que nous. Moi, je suis pharmacien, je viens 2h, 3h par jour, et il y a des gens qui sont là dès 8h le matin. Moi, ils me disent, quand j'arrive à midi de la pharmacie, ils me disent, moi, j'arrive à 8h, et j'ai des gens qui sont dans un état lamentable, qui disent, qui sont sous, qui m'engueulent, qui sont énervés et tout. Donc, c'est ça le problème qu'on a. Avec 10, 15 personnes, la solution, c'est pas de leur les gens, on en a parlé cet après-midi, on n'a pas envie. On n'a pas envie parce que. C'est ce que je disais tout à l'heure, on veut conserver cette bonne image qu'on a vis-à-vis des Antibois et des Français, on veut conserver cette image favorable, positive. Si on commence à avoir des conflits avec eux, ils vont dire les jeunes avec nous, machin et tout, enfin les jeunes, entre guillemets, hein, parce que c'est fini. Et c'est fini, on va avoir une image déplorable. Donc la solution qui était très intelligente, on a dit, c'est simple, on va aller dans un autre emploi qui est beaucoup plus loin, qui est un peu plus bas. Et de toute façon, comme il y a un arrêté préfectoral pour virer les ronds-points. De toute façon, on verra ce qui se passera après. D'ici une semaine ou deux semaines, peut-être qu'on reviendra sur le rond-point de Provence. On va faire notre action au rond-point Sainte-Thérèse. Voilà. Ah, et où oui, voilà, c'est ça, c'est la démocratie. C'est pas le même problème. Et le choix. Moi, j'ai voté pour réinvestir le rond-point. Mais le rond-point, ça veut dire utiliser la force. J'avais dit pouce avant. Ils sont paumés de chez paumés. Ils sont dans un état lamentable. Vous venez les voir. Non, mais oui. Excuse-moi. J'aurais qu'elle finisse. Bon, c'est notre rond-point. On n'a pas reculé devant 10 personnes. Oui, mais. Je pense qu'il faut montrer qu'on est quand même fort. Et je pense aussi que quand, à chaque fois qu'on a été en péril avec le bon alors, on a appelé ce je pense qu'il me fait engueuler. Tout de suite, on a dû rappliquer les moteurs et tout ça. Évidemment. Et les forces de l'ordre ont reculé. Bien donc sûr. Il faut être fort de ça. C'est exactement ce que je pense. Et ne pas reculer devant cette dizaine de jeunes qui, je pense, ont été mis par la police. Parce qu'autrement, comment ça se fait que sur l'autoroute, c'est du vécu. Les affronter. C'est du vécu. Ils sortent les couteaux. Ils sont les bouches. Écoutez, c'est du vécu. Sur l'autoroute, on a pu rentrer, je ne me rappelle plus quel acte c'était. On a été fouillé de fond en comble. On nous a tout enlevé, les gouttes pour les yeux, les masques et tout. Il est arrivé ces jeunes de l'autre côté. Ils sont passés devant les CRS. On ne les a pas fouillés. Ils sont rentrés avec leurs masques et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers les 3h de l'après-midi, ils ont mis le boxon. Et c'est là qu'on a été chargé. Ouais. Mais eux, s'il te plaît, tu veux bien dire à ce monsieur de